médico-chirurgical de Schleff. Nos amis nous ont parfaitement bien reçus. Et je profite de cette occasion, de, ainsi que mon maître, le professeur Bembakouche, de faire passer un message. Nous avons commencé, il y a 10 ans de ça, à développer une chirurgie qui, malheureusement, n'est pas en pointe ici en Algérie. C'est la chirurgie de la main, du membre supérieur, la chirurgie nerveuse. Et notre constat de 10 ans, c'est que nous recevons, malheureusement, ce qu'on appelle des traumatismes négligés, entre guillemets, passés inaperçus, pour être gentil. Et il faut savoir que la reprise de cette main, qui est un organe précieux et qui est, vous êtes d'accord, pas très volumineux. Les reprises chirurgicales sont très très difficiles et souvent les résultats ne sont pas bons. Je profite de cette occasion et avec la permission de mon maître, professeur Bembakouche, de vous parler de ça, du côté pratique. Une plaie de la main est une situation pathologique traumatique sérieuse dont il faut prendre en considération. Il n'y a pas de mal, suite à une plaie de la main, de l'adresser à des chirurgiens compétents en la matière. Il n'y a pas de mal également à nos jeunes chirurgiens d'aller explorer cette petite plaie, entre guillemets. Cette petite plaie, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, je me permets, si vous, avec votre permission, de vous exposer cette pathologie particulière. Donc, d'abord, donnons la valeur à cette main. Cette main, c'est qui permet à l'enfant de découvrir la vie. Cette main a commencé à fonctionner, et je dis bien à fonctionner, dès 13 semaines chez le fœtus. Cette main, regardez cette projection au niveau du cortex, de cette surface par rapport aux autres organes que vous voyez ici. Cette main, c'est avec cette main qu'on travaille. Et cette main nous nourrit. Qu'aurait-il fait cet aveugle sans ses mains? Également, la communication très importante que permet cette main. Surface petite, force considérable. Si on veut nuire, eh bien on écrase une main. Alors, par définition, il faut savoir que la plaie de la main, c'est une pathologie fréquente en pratique quotidienne d'urgence. Nous recevons 200 plaies de la main chaque année. Ces plaies de la main sont polymorphes et, évidemment, le rôle est important sur le plan socio-professionnel. De la qualité du diagnostic, évidemment, par voie de conséquence du traitement initial, va dépendre le résultat final. Nous, les chirurgiens, nous avons un dogme. C'est l'exploration systématique de toute plaie qui tend regard d'un trajet d'un élément noble. Les éléments nobles au niveau de la main, c'est le tendon, le nerf et le vaisseau. Il est nécessaire, évidemment, d'avoir des connaissances anatomiques et physiologiques de la main. Actuellement, la microchirurgie, avec le microscope et également l'instrumentation fine, a parfaitement et dans le bon sens transformé la chirurgie de la main. Je ne vais pas m'étaler sur trop de détails scientifiques, ça fait un peu de la surspécialisation, mais nous distinguons 3 types de plaies. Soit ce sont des plaies nettes, là souvent ça ne pose pas de problème. Ce sont des plaies qui font suite à des instruments tranchants comme les couteaux, les verres. Et vous avez également les plaies contuses. Là, ce sont souvent des plaies complexes avec notion d'écrasement, de délacération
Et là, vous imaginez un peu les dégâts des parties molles ainsi que du squelette. Et là, souvent, c'est en rapport avec les courroies et les appareils rotatifs. Et enfin, amputation, je dirais why not? Amputation, il y a quelques années, et ça se fait actuellement également dans pas mal d'endroits chez nous, c'est que l'amputation, on ne donne pas l'importance au bout tranché, c'est-à-dire le bout amputé, et on passe directement à la confection du moignon. Là, ça ne se pratique plus ailleurs, même chez les voisins, c'est-à-dire les Marocains et les Tunisiens. L'amputation, il faut le donner son importance et de faire tout pour réimplanter ce doigt ou cette main. Un petit rappel anatomique, je ne vais pas également m'attarder. Il faut savoir que la main, c'est d'abord la peau. Et cette peau est très précieuse. C'est un organe sensoriel d'excellence. Et la pulpe des doigts est un élément fondamental. Et pour cette notion, il sera donc à retenir dans toutes les pathologies traumatiques, particulièrement dans les amputations partielles des doigts. Un autre élément anatomique qui est indispensable, c'est la première commissure. En fait, c'est toutes les commissures, mais la première commissure est toujours à respecter. La main aussi, c'est des os, c'est le squelette. Le squelette de la main est formé de deux rangées du carpe formant quatre osselets, des métacarpiens, des phalanges, et tout ça est relié entre eux par des articulations. Une main est creusée, et cette capacité de creusement de la main est fait l'organe de préhension de ce membre. Grâce à la formation par ce squelette de deux arches transversales et une arche longitudinale. Qu'est-ce qui fait fonctionner le doigt, ou entre guillemets le moteur? Ce sont les tendons. D'abord, les tendons fléchisseurs. Il faut savoir que pour chaque doigt, il y a un tendon fléchisseur superficiel, un tendon profond, sauf pour le pouce où il y a un seul tendon appelé l'enfléchisseur du pouce. Pour que ces tendons puissent fonctionner convenablement, pour que la force exercée va aboutir à une action de flexion, il faut que ces tendons aient une réflexion au niveau de ce qu'on appelle les poulies. Il en existe 5 annulaires que vous voyez ici et 3 cruciformes. Le but de parler de ces poulies, c'est qu'un tendon ne pourra fonctionner sans 6 poulies. Donc, en cas de traumatisme, il est nécessaire de restituer. On ne va pas restituer les 5 annulaires, non plus les cruciformes, mais il est nécessaire et obligatoire de restituer la poulie A2 et A4. Là, je vous montre un peu, quand on n'a pas de poulie, vous avez ce qu'on appelle l'effet corde à arc, et vous voyez que le tendon va coller à la peau et le roulement ne se fera pas. Les extenseurs, vous avez donc pour chaque doigt un extenseur, sauf pour le pouce, vous avez un long extenseur, un court extenseur et l'accent également du long abducteur. Pour le deuxième et le cinquième, ils ont également deux extenseurs propres. Le problème ne se pose pas au niveau du dos de la main, mais ce tendon est complexe au niveau du doigt avec cette disposition anatomique en une bandelette médiane et deux bandelettes latérales. Vous avez ici la topographie de ce qu'on appelle la sensibilité de la main. Vous avez la main est sensible grâce à 3 nerfs. D'abord le nerf ulnaire que vous voyez ici, le nerf médian et le nerf radial. L'innervation motrice se fait par des nerfs. Et là, c'est l'action de ce qu'on appelle les interosseux. Vous avez également les vaisseaux qui irriguent la main et les doigts. Il existe deux arcades qui distribuent donc une vascularisation vers les doigts, mais il faut savoir que c'est une vascularisation un peu particulière parce qu'il existe un pédicule latéral. Et sachez
que ce pédicule est satellite du nerf, et en cas de lésion du pédicule, vous avez le risque d'avoir une nécrose ou une ischémie du doigt. Alors, il est important de faire un diagnostic le plus précis possible concernant ces plaies de la main, en dehors de tout ce qui est âge, côté dominant, les antécédents traumatiques sur la main blessée, il faut faire un constat de l'agent causal. C'est très important, car le mode de survenue peut faire changer beaucoup concernant la stratégie thérapeutique. Le délai écoulé depuis l'accident et les traitements éventuels, et ne pas se précipiter, évidemment, à donner des antibiotiques à l'aveugle. Le problème de terrain, l'état des vaccinations antitétaniques, il n'est pas... On a cette erreur d'emblée d'instituer le sérum antitétanique pour les plaies de la main ou les plaies des autres membres. Aucun intérêt de donner le sérum antitétanique si le patient n'est pas à jour de sa vaccination. Donc il est nécessaire de vérifier s'il est déjà d'abord vacciné et le contexte socio-économique du patient. Du point de vue examen clinique, il faut parfaitement examiner cette plaie et surtout faire attention en ce qui concerne la taille de la plaie, car n'étant rien une indication sur la gravité des lésions sous-jacentes. On peut avoir des plaies béantes sans lésions d'éléments nobles, on peut avoir une plaie qu'on dit plaie pointe et les dégâts sont très importants. Je vous montrerai tout à l'heure quelques illustrations. Il est très important d'étiqueter cette plaie concernant sa souillure. C'est très important, le devenir de la plaie est intimement lié à l'évolution en rapport avec l'infection. Alors la vascularisation, je vous dirais qu'il faut se méfier de ces doigts qui semblent non hémorragiques après une plaie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lésion artérielle. Souvent, ce sont des petites artères et elles se thrombosent et se rétractent. Donc l'hémostase se fait d'elle-même et ce n'est pas du tout un signe que le doigt est éventuellement viable. Souvent, on nous ramène des patients évacués d'autres structures ou de structures de proximité, je veux dire, avec des garrots. Ça ne sert à rien de mettre un garrot. La meilleure manière de lutter et d'arrêter le saignement, c'est cette position que je vous montre, et de mettre un pansement compressif, si vous voulez, un garrot sur la plaie, pas un garrot en amont de la plaie. Alors, il faut rechercher évidemment les déformations et devant toute plaie délabrante de la main, il est impératif de faire une radiographie. Et la radiographie, ce n'est pas un face et un profil. Si vous faites un profil de la main, vous allez avoir une superposition des métacarpiens. L'incidence pour voir complètement les métacarpiens, c'est de faire un trois quarts de la main, c'est-à-dire des incidences de Kapenji. Alors, il est impératif aussi de tenir compte de tout ce qui est en rapport avec plaie dorsale. Vous voyez bien que la peau, pratiquement les os sont sous la peau, éventuellement, et également tout ce qui est articulation métacarpo-phalangienne. C'est un dogme également, toute plaie dorsale, on regarde une articulation, est une plaie articulaire jusqu'à preuve du contraire. Il faut prouver par l'exploration chirurgicale qu'il n'y a pas d'effraction de l'articulation. L'examen de la sensibilité, il faut le faire. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il a mal. Donc, apprécier la sensibilité, ce n'est pas très évident, mais il est nécessaire de mentionner dans le dossier, tout simplement, c'est quelque chose de médico-légal, vous savez bien, vous allez l'opérer, et qui dit que ce n'est pas vous qui avez sectionné ou coupé le nerf responsable de tel ou tel territoire sensitif? Pour la motricité, moi je vous parle des plaies que je vois très souvent, ce sont les plaies au niveau de la loge ténarienne. Il n'y a pas aussi dangereux que ces plaies, même à l'aide d'un poinçon.
il y a un carrefour très très important concernant l'émergence de certaines aires, particulièrement la branche motrice, ténarienne motrice du nerf médian. Également, il faut en parler aussi de la branche motrice profonde du nerf ulnaire. En ce qui concerne les paralysies motrices, au niveau de la main, on ne peut avoir qu'une paralysie du nerf ulnaire et du nerf médian. Pour le nerf médian, c'est l'absence d'opposition du pouce. Vous testez, vous demandez au patient de faire une opposition. S'il n'arrive pas à le faire, c'est qu'il a cette paralysie. Pour le nerf ulnaire du poignet, au niveau du poignet, c'est l'absence d'abduction des doigts, d'adduction-abduction, c'est-à-dire l'écartement, la griffe ulnaire qui peut s'installer et la faiblesse d'adduction du pouce. Il faut tester également les tendons. La première manière de voir si on a une atteinte tendineuse, que ce soit pour les fléchisseurs ou les extenseurs, c'est ce qu'on appelle la perte de l'effet tenodesse du poignet. Normalement, si le poignet est placé en flexion, les doigts vont s'étendre automatiquement. Le poignet placé en extension fléchit, cette position fléchit les doigts. En ce qui concerne ces tendons fléchisseurs, il faut savoir qu'il y a des niveaux. Et la gravité, je vous l'ai dit d'emblée, c'est cette zone 2. Pourquoi ? Ce qu'on appelle les zones de Verdon. Cette zone 2, il y a l'entrecroisement entre le tendon fléchisseur et le tendon, fléchisseur superficiel et le tendon fléchisseur profond. En réalité, si on a les deux lésions, vous savez qu'il faut les suturer. En les suturant, risque de se coller entre eux et d'engendrer des adhérences. Donc les résultats sont plutôt pas bons. Le test donc, des fléchisseurs, vous le voyez ici. Donc la flexion de la troisième phalange sur la deuxième teste le fléchisseur commun profond. La flexion de la deuxième phalange sur la première, c'est les fléchisseurs superficiels. Les extenseurs ne posent pas de problème au niveau du dos de la main. Par contre, au niveau du doigt, vous avez soit cette bandelette médiane qui est touchée, vous avez ce qu'on appelle un aspect en boutonnière, soit vous avez ce qu'on appelle le tendon extenseur terminal, vous avez le doigt emmaillé, ou bien vous pouvez vous retrouver à ce moment-là, c'est la section des deux bandelettes latérales, vous avez cette déformation en col de cygne. Pour le long extenseur du pouce, c'est le seul tendon qui autorise ce qu'on appelle la rétropulsion avec le test que vous voyez ici. Du point de vue thérapeutique, il faut avoir cette idée et d'une manière beaucoup plus par excès que par défaut d'aller et de penser à explorer une plaie de la main, chirurgicalement et dans un bloc opératoire. On ouvre, on explore, on recherche les lésions. On les a, c'est bien, on ne les a pas, et bien c'est beaucoup mieux. Ce n'est pas un échec, c'est des précautions. Et ce sont des précautions que prennent également les ténors de la chirurgie de la main. Donc c'est pour ça, je le dis, c'est-à-dire je le mets en rouge, que toute plaie de la main difficilement explorable au box des urgences devra l'être au bloc opératoire. Il y a trois temps. Le premier temps, ce qu'on appelle le débridement de la plaie, ou entre guillemets le parage. Le deuxième temps, c'est d'aller explorer la plaie, de rechercher les lésions avec nos connaissances anatomiques, physiologiques, et enfin la réparation. Le premier temps, c'est d'abord de respecter un ordre. La première des choses à faire, c'est s'il y a une fracture, il faut la stabiliser. Le deuxième temps, c'est la réparation des lésions tendineuses, puis les réparations des lésions vasculaires, les réparations des lésions nerveuses, musculaires, et enfin, le geste de couverture, c'est-à-dire le geste cutané. Et évidemment, pourquoi pas
faire une réimplantation microchirurgicale d'un doigt ou d'une main. En ce qui concerne la stabilisation du squelette, souvent on fait appel à des broches, mais d'autres manières existent, à savoir l'utilisation de fixateurs externes, que ce soit des fixateurs externes du commerce ou bien même, qu'on a l'habitude de faire avec le professeur Benbakouche, quand on n'a pas les moyens, d'utiliser des broches et du ciment pour donc donner un peu l'aspect d'un fixateur externe. Là, vous avez une combinaison fixateur externe, broche. L'essentiel, c'est de redonner une anatomie du squelette de la main. Là, vous voyez deux gestes en même temps. Vous avez la stabilisation et la revascularisation d'un, pardon, d'un doigt. Pour les lésions tendineuses, il faut les suturer. Et je vous montre ici un schéma pour vous dire qu'il faut tout faire pour éviter de toucher au canal digital. Les fameuses poulies, il faut les conserver. Donc, ne pas ouvrir complètement. Il y a une manière plus facile d'éviter de toucher aux poulies du canal digital, c'est de faire passer une sonde et voir où va s'arrêter, et c'est le moignon proximal, c'est le moignon proximal. Et là, à ce moment-là, on ouvre, on récupère le tendon. Alors, vous avez cette manière. Je vous montre ça tout simplement parce que quand on reprend des lésions tendineuses traitées, on retrouve une incision qui pratiquement occupe tout le long du canal digital. Ne pas faire ça, tout simplement, c'est pour conserver ce canal digital avec les poulies. On ouvre, vous avez la plaie qui est là, on peut s'agrandir un peu. On fait passer une canule, elle va à certains moments s'arrêter. Et c'est le moignon du tendon. On ouvre, on récupère le moignon, le suture à la sonde et on tire. On tire la sonde, on se retrouvera en face du moignon distal. Et la suture va se faire à ce niveau. Et là, vous avez épargné toute cette surface qui est nécessaire à la fonction du tendon. Le tendon, il faut savoir que le tendon, il est très mal vascularisé. Il a une vascularisation, si vous voulez, synoviale. Il faut éloigner les sutures. Pourquoi? Tout simplement, les 6 premiers jours, vous allez avoir une nécrose à ce niveau. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la technique de Clairnet, c'est d'espacer les nœuds, que ce soit en cadre ou en croix, importe. Mais l'essentiel, c'est de ne pas être proche de la plaie du tendon. Évidemment, un tendon suturé, si vous ne le rééduquez pas, eh bien, il va coller. Il va coller à la peau, il va coller au tissu de la main. Donc, il est nécessaire de commencer rapidement. Là, vous avez des dispositifs qui vous permettent de rééduquer rapidement la main. Ou bien en passif, tout simplement, si vous n'avez pas ça, vous demandez au kiné, il faut qu'il soit évidemment formé, d'aller en passif, c'est-à-dire ne pas demander au patient de contracter ses doigts pour ne pas tirer sur cette suture. Alors la réparation vasculaire, là aussi, un doigt qui n'est pas vascularisé, évidemment, l'évolution ne peut être, ça ne sert à rien d'aller fermer cette peau alors que vous avez une lésion vasculaire. Vous avez deux pédicules, un latéral, un médial, et même si vous faites une belle suture, si les vaisseaux ne fonctionnent pas, vous allez vous retrouver avec un doigt qui va complètement nécroser. La réparation nerveuse. Il faut savoir qu'aller suturer un doigt et ne pas réparer un nerf, c'est un patient qui va vous revenir, vous demander, monsieur, amputez-moi le doigt. Il ne va jamais supporter un doigt insensible. Il ne va jamais le contrôler. Donc, il est également nécessaire de faire cette exploration. Et sachez que sur tous les nerfs collatéraux, les nerfs qui sont purement sensitifs,
Une suture vous donnera 99,99% de résultats, de bons résultats. Ce sont des sutures qui réussissent. Donc, évidemment, la réparation se fait par une suture au microscope chirurgical. Voilà, donc je vous montre un peu l'intérêt du microscope chirurgical. Ça, c'est une plaie d'un nerf qui a été suturée comme ça. Sans microscope, on a affronté les deux bouts. Et là, vous voyez bien que les fascicules ne sont pas en face, donc il n'y a aucune chance de récupération. Par contre, ici, vous avez ici une suture sous microscope. Et là, je vous rajoute encore de la colle biologique. Et là, il faut s'attendre à un résultat meilleur. Je dirais pas 100%, mais meilleur. L'affrontement est meilleur. En cas de perte de substance, c'est la greffe. Donc, il y a des endroits où on peut enlever des nerfs accessoires et cette perte de substance est remplacée par un greffon nerveux. Le dernier geste, qui est le geste de couverture cutanée, je l'ai dit tout à l'heure, la pulpe est précieuse. Il faut tout faire pour conserver cette peau. C'est peut-être le seul endroit où le parage est économique, qui est dit économique. Il faut, vous avez cette pulpe, si vous laissez en cicatrisation dirigée, elle va être insensible. Et là, le doigt, son utilité est perdue. Alors là, il est nécessaire de prendre cette pulpe qui est sensible et de couvrir avec cette perte de substance. Vous voyez ici un lombo, ce qu'on appelle un lombo. On peut même aller plus loin quand on a besoin d'une surface importante, voire même d'utiliser un lombo inguinal. Quand on a à couvrir une surface importante. L'amputation, là, vous allez être un peu... Il faut... Ça, c'est précieux. Vous perdez cette main, ça ne sert à rien d'avoir un avant-bras, un bras, une épaule. Ça ne sert absolument à rien. Peut-être porte-manteau, mais ça ne servira absolument à rien. Donc, il est nécessaire de tenter, ne serait-ce tenter, de remettre ses doigts également, vous voyez, une partie de la main, et de donner une chance au patient de récupérer cet organe très important. Alors, d'ici là, si on peut faire ça, la conservation, c'est très important de conserver le doigt amputé. Dans un sac, bon, on sait bien qu'il faut des glaçons et tout ça, mais le contact est interdit entre le doigt amputé et les glaçons. Sinon, vous allez avoir d'autres lésions de congélation qui sont pratiquement néfastes et qui vont tuer tous les tissus. Et pas ça. Vous voyez ici, c'est un doigt, pratiquement un poisson dans l'eau. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, d'abord, il faut rétablir le squelette, donc une synthèse par des broches, par des petites plaques, etc. Et revasculariser. Il ne faut pas oublier que Il n'y a pas que les artères, il y a aussi les veines. S'il n'y a pas de drainage, le résultat ne peut être que mauvais. Je profite également pour les jeunes qui n'ont pas le choix et ils doivent amputer. Il faut tout faire pour conserver la peau. Là, c'est vrai que l'index, c'est foutu, mais on gardera sa peau pour couvrir l'autre doigt, c'est-à-dire le pouce. C'est ce qu'on appelle le doigt banque. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut être économique en matière de peau au niveau de la main. Je vais vous montrer quelques exemples, un peu parler des choses dont il ne faut pas passer à côté. Ici, vous avez une toute petite plaie par tournevis, toute gentille. On pouvait la laisser. Un point peut-être. Mais en l'explorant, on a dit que le médecin qui l'a exploré, il est bête, il ne sait pas, il ne connaît pas. Il y avait une lésion du nerf interdigital du cinquième doigt, de la sensibilité du cinquième doigt. Si ce nerf n'a pas été suturé, vous allez vous retrouver avec un doigt insensible. Et le doigt insensible ne sert absolument à rien du tout. Un coup de cutter
au niveau du bord ulnaire de la paume de la main, ressemblant même à un pli, une petite ride. On pouvait passer à côté. En l'explorant, vous avez le nerf interdigital qui assure la sensibilité du bord ulnaire du cinquième doigt. Également, toute petite plaie, ici, au niveau, un peu au niveau du plaie ténarien, cette plaie était à l'origine de la section du nerf médian et d'un tendon fléchisseur du troisième. Là, vous avez une toute plaie, une toute petite plaie qui est là. En examinant le patient, c'est un patient qui avait des difficultés à fléchir. La flexion se faisait, mais difficilement. Il y a un semblant même d'accrochage. Vous voyez la plaie qui est pratiquement en regard du cinquième doigt. La lésion, c'était une section du fléchisseur superficiel, section partielle du fléchisseur superficiel. Vous allez me dire que c'est pas grave, c'est grave. Cette lésion non suturée va se compléter et également ce moignon va adhérer au fléchisseur profond et va provoquer une raideur du doigt. Là, je vous montre l'intérêt d'explorer toute plaie dorsale. On regarde les métacarpophalangiennes. Il y a une petite plaie ici. C'est une plaie qui est à l'origine de la section du tendon extenseur, également de la capsule articulaire. Donc c'était une plaie tendineuse et articulaire. Donc il est nécessaire non seulement d'aller suturer, parce que vous pouvez voir l'extenseur, se rétracte pas l'extenseur. Mais il ne faut pas se limiter à suturer uniquement l'extenseur, il faut s'agrandir et vérifier s'il n'y a pas une plaie au niveau de la capsule articulaire. Là, je vous montre un cas où il est nécessaire de couvrir. Là, vous avez une couverture par greffe cutanée. Vous allez me dire, elle va pas être sensible. On a fait ça parce que, tout simplement, la sensibilité, c'est plutôt distale. Donc, si c'était plutôt là, on n'aurait pas mis de greffe cutanée, on aurait mis un lambeau. Et là, évidemment, vous avez un tendon en face de vous, hein, qu'il faut couvrir, sinon il va nécroser. Là, c'est une donc perte de substance latérale avec tendon à nu, couverture par un lambeau latéral. Voilà, en conclusion, ce que je peux dire, je reprends un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la plaie cutanée de la main représente la pointe de l'iceberg. Et il n'existe pas de parallélisme entre la taille ou le type de la plaie et l'importance des lésions associées, lésions sous-jacentes, pardon. Il faut savoir que les lésions des éléments nobles de la main peuvent se cacher derrière les plis les plus simples et dont la méconnaissance met en jeu le pronostic fonctionnel. Pour cela, et j'insiste, toute plaie en regard d'un trajet vasculaire, nerveux, articulaire ou tendineux doit être explorée jusqu'à la preuve de l'absence de la lésion. Et c'est de la qualité de la prise en charge initiale que dépendra la rapidité de récupération avec le minimum de séquelles. Et je vous invite à admirer Bablouette. Alors l'hôpital, il est là. Hein. Je vous montre un peu l'hôpital, il est là. Le service du professeur.